Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette 29e, déjà 29e émission de La Potion. J'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on va un petit peu s'évader. Aujourd'hui, un petit peu changer d'air. On va changer d'environnement. Et je reçois quelqu'un qui a décidé un beau jour de partir seul. Partir en voyage, oui, ok. Est-ce que c'était juste un voyage ou est-ce qu'il y avait autre chose derrière? Qu'est-ce qu'il a appris? Qu'est-ce qu'il a retiré de ça? Nous allons le découvrir tout de suite. Il s'appelle Clément. Salut Clément, comment ça va? Salut, bon, salut tout le monde déjà. Donc je vais bien. J'ai 20 ans. Donc, d'accord. J'allais te demander est-ce que tu pouvais te présenter un petit peu, mais déjà direct attaque, t'es dans le truc. Est-ce que tu peux. Bonsoir Florence, bonsoir à ceux qui nous rejoignent sur toutes les plateformes. Donc on est sur. Twitch, Twitter, Facebook, les deux pages, Facebook, LinkedIn, etc. Donc, ce soir, on va parler de voyager seul. Est-ce que ça a une utilité? Est-ce que ça développe des compétences? Bah, c'est un peu une question rhétorique, vu que c'est un peu le titre de, c'est un peu le titre de la présentation de ce soir. Et bah voilà, Clément, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur un petit peu bah, sur toi, sur ton parcours? Qui es-tu, Clément? Ok, donc, j'avais commencé. Je vais continuer. Vas-y. J'ai en troisième année de médecine. Tu as 20 ans. Je suis étudiant actuellement et j'ai envie de. Je suis passionné par le fonctionnement du corps humain. Le sport, ça fait partie de mon identité. Et je voulais jusqu'à mes 18 ans. Tu quoi? Pardon, j'ai pas entendu. Je voulais être cycliste. Professionnel. D'accord. Ok, tu voulais être cycliste professionnel. D'accord, ouais. Carrément. Ok. Ouais, c'était un rêve de. Et c'est fini ce rêve ou. Ouais, bah, à 18 ans, en fait. C'est trop tard. On peut pas être un professionnel au niveau du sport, donc voilà, ça. Okay. Enfin, maintenant, c'est un plaisir, mais j'ai pas réussi à monter au niveau qu'il fallait. D'accord. Donc, mais j'aime toujours le sport, le tréation. En fait, ça me permet d'être plus détendu et après plus productif. Je suis plus dans le flow après une séance de sport quand je révise. J'ai d'être moins distrait. Ok. Et autrement, bah, la chance de partir justement cet été. Seul. Alors ouais, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton projet en fait? Qu'est-ce que tu as fait? Déjà, c'était quoi ce projet? Mon projet, bah, je suis parti du coup en Irlande. J'ai fait un tour d'Irlande en autostop. C'était ça En autostop. Projet. T'es parti tout seul, hein, on est d'accord. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Voilà, c'était donc en 2021, en course à pied. Et 6 mois, donc ça a été difficile. C'était difficile mentalement. J'avais un manque d'objectifs parce que bah, plus de compétition, pas de perspective. D'accord. À part les études. Okay. Donc en fait, tu as fait ce projet pour te donner un défi, en fait, juste comme ça? Ouais, avoir un défi, trouver un moyen de me déstresser, prendre la place un peu qu'il y avait le sport avant. Quoi. Ok. Et en autostop? Ouais, en autostop, parce que j'avais pas encore expérimenté. Je trouve ça. Enfin, c'est challengeant et à la rencontre des gens, justement, des gens. Du pays dans lequel tu es. Et ça, c'est vraiment. Et pourquoi avoir choisi l'Irlande? Mon anglais. Et puis l'Irlande a un côté convivial. Je l'ai découvert aussi. Il y a des beaux paysages. C'est pas trop grand. Quand on part un mois autour d'Irlande, c'est faisable, quoi. D'accord, c'est faisable. Et
Qu'est-ce que tu as appris en faisant ça, en fait, avec le recul? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Un pied en autostop, qu'en fait la marche, ça faisait vraiment du bien au quotidien. Ça améliorait ma posture. Tu marchais combien de Et puis, kilomètres par jour à peu près? Pour me faire une idée, parce que... je crois que j'étais à, je sais plus, j'étais entre 10 et 12 km à peu près, mais kilos sur le dos, 12 km par jour. quoi, avec un Et pied ça a comme duré ça. un mois, tu dis. Ouais. Ok. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien, ça a amélioré mon sommeil. Bah, j'ai repris le sport en fait. Ça a régulé mon humeur. Un peu vicieux, un peu la sédentarité, tout le temps réviser. Et ça m'a fait réapprécier la bonne fatigue que permet le sport, quoi. Ok, alors on me signale qu'il y a des problèmes de micro, discussion hachée. C'est vrai qu'il y a une petite latence en fait quand tu parles et quand. C'est comme si tu étais en différé en fait. Comme si tu étais encore en Irlande mais en différé. Donc désolé pour ça, on essaie de régler les problèmes de son. Ouais, tu peux. Il y a une solution. Enfin, Alors, à chaque fois qu'un invité a voulu tester une solution en direct, ça s'est révélé, ils ont été éjectés du truc. Mais vas-y, oui, dis. ouais, il y a quelque chose à faire de mon côté ou. Je sais pas trop. Le son est très coupé du côté de Clément. Et du mien, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que en ce qui me concerne, vous entendez bien le son? Parce que si ça se trouve, ça peut venir de mon serveur aussi. Hein. On sait jamais. Mais normalement, c'est bon. Toi, oui. Ok. Super. Peut-être si tu télécharges quelque chose en arrière-plan. Est-ce que tu as des applications qui prennent de la bande passante? Je ne sais pas. Attends, Ah, je vais il n'y a plus de regarder. caméra cette fois. Ah Il n'y a ben même plus de caméra. non. Ok, là, je sais que ça peut être mieux. On va voir. Ok. La connexion. La connexion, ça a l'air d'aller normalement. Non, parce que l'image, elle bouge bien, c'est vraiment juste le son. C'est le. C'est de la bande passante. Moi, je dis un truc qui te bouffe la bande passante. Non, non, l'image, elle est stable, elle bouge bien. C'est juste la bande passante. La connexion, il me dit qu'elle est à 10 Attends. sur 10, donc je sais pas. Je sais pas. Ouais, j'ai quand même d'autres questions à te poser. Hein, On ferme. on verra peut-être Ouais. plus tard les problèmes de son. On va voir si ça se corrige déjà, avec ce que tu as Ouais. modifié. Est-ce que d'une manière générale, tu recommandes aux gens de partir seuls? En fait, dire faut avoir un projet motif pour partir, c'est faut être Bah justement, je sais pas ce que je vais faire de ma vie, ou alors j'en ai marre de mon boulot, j'ai envie de me réinventer. Est-ce que tout pour toi, selon toi, hein, c'est partir comme ça dans un pays seul, faire un tour ou pas d'ailleurs, est-ce que ça c'est quelque chose que tu recommanderais toi? intéressant si on veut chercher puis renforcer son esprit on part seul. Bon, il y a des gens, des fois c'est faut se motiver tout seul quand même. Ça, le Ouais. côté un peu plus dur, c'est son mental. Et Est-ce que t'as des petites anecdotes à nous raconter, des trucs qui t'ont marqué quand t'es allé là-bas, des trucs qui t'ont surpris peut-être? ok. Donc au niveau Il y a la caméra. Elle est le partie son, la c'est pas caméra. bon. Hein. Où es-tu? J'essaie de voir le son. Ouais, je suis. Désolé, hein. Ce sont les aléas du direct, comme on dit. Hein. C'est mieux là quoi.
3 sur 10, Clément, le son. On dit. C'est mieux. Bon, on va voir. Vas-y, parle. Je sais. Bon, ok, j'essaie de régler un truc. Non, c'est toujours coupé. Ça coupe toujours quand tu parles, au début. Ça coupe toujours quand tu parles au début et il y a une petite latence entre le moment où je finis de parler pour te poser la question et le moment où tu reçois la question, en fait. Ok. C'est comme si tu étais en différé. Je sais pas comment expliquer. Bref. Parle-nous d'Irlande, fais-nous rêver un petit peu. Donc, parce que donc, j'ai appris à gérer mon stress, en fait, avec le voyage en Irlande. C'est bien pour gérer son stress parce que tu es tout seul, tu dois t'organiser, penser à ce que tu vas faire. Mais à la fois, tu n'as pas de pression, tu n'as pas de rendez-vous spécial qui gère ton stress comme tu le veux. Tu réapprends à... Tu veux dire que tu es libre de ton emploi du temps, en fait? Ouais. Ok. Ça, je pense que ça marche quand on a eu une dépression ou quand on a eu une verre de... Est-ce que chaque jour, tu savais où tu allais dormir le lendemain? Non. Ok. Donc c'était... Je savais pas. Je pense. Tu savais même pas dans quelle ville tu allais dormir le lendemain ou... En fait, un peu, j'avais des idées de camping quand même, peut-être à tel endroit ou tel endroit. Ça pouvait être soit ici ou bien. C'était pas défini. Ok. Est-ce que tu as des trucs à nous raconter, des anecdotes peut-être? Donc, ouais, ok. Déjà, j'ai rencontré beaucoup de gens en autostop. Et avec l'hébergement chez l'habitant, c'était facile l'autostop. J'ai attendu des fois des plombes. J'attendais, ok, 20-30 minutes, mais bah des en fois plus. T'attends une seule. En moyenne, c'est 30 minutes. Allez, on va dire. D'accord, ok. Mais des fois, ça arrive que t'attends 2 heures, et des fois t'as. C'est pour ça que c'est une moyenne que. Ok. L'autostop. Stop 3 fois par jour, par exemple. Un coup, tu vas attendre 2 minutes. Le premier, tu vas devoir attendre 2 heures. Quoi. Ok. Alors, on me dit, essaye de couper ta caméra pour voir si le son il est moins haché déjà pour voir. Du coup, je me mets en gros plan. Tant qu'à faire. D'accord, ouais. Ah, ça a l'air d'aller mieux là, fais voir. On va partir sur une deuxième anecdote. À mon 10e jour de voyage environ. J'étais bien, bien fatigué, du coup j'avais le car au lieu de faire l'autostop. Et j'ai quand même tenté, je me suis dit, je vais tenter un petit peu. Et en 10 minutes, j'étais pris, j'ai rencontré une super famille. Et à la fin du trajet, le père m'a dit, en sortant, il m'a donné un billet de 50 euros pour me dire, tiens, prends ça pour la suite de ton voyage. J'avais pas. Et t'as donné 50 balles, comme ça. Oui, oui, comme ça. D'accord, c'est cool ça. J'avais rien demandé, moi, j'ai juste dit que voilà. Et toi c'était pour m'aider, il m'a dit que ça me servirait pour la suite de mon voyage, et puis voilà quoi. Donc, et t'as gardé contact avec des gens de là-bas? Oui. D'accord. J'ai gardé quoi des. Ils vont venir te voir ou... que j'ai fait là-bas, tout ça. Après, il y a un autre jour, je marchais lentement parce que j'étais fatigué et il y a une voiture qui m'a pris, qui posait de m'emmener directement à destination parce qu'ils voyaient que j'étais fatigué. J'ai même pas fait stop. Ils m'ont dit on peut vous prendre si vous voulez. On va vous emmener là. C'était pas mal. Puis j'allais chez l'habitant le soir et en fait c'était, il n'y avait plus de route. La maison, il n'y avait pas de route le dernier kilomètre, c'était un chemin. Donc je me suis dit, j'arrive en pleine campagne, dans son. Enfin, qui vit de manière isolée, quoi. Et en fait, isolé, mais pas tant que ça, parce que c'était une prof d'histoire à l'université de Dublin, en fait.
intéressante et voilà, qui était rendue en plein milieu de la campagne. D'accord. Est-ce qu'il y a des moments où tu as flippé? Ouais, il y a quand même deux fois où j'ai flippé un petit peu. Moi, c'est marrant, c'était pas parce que enfin, la personne qu'on me disait un peu bizarrement. Enfin, oui, déjà, quand tu as l'habitude de conduire, après, tu n'es pas un passager. Et puis là, la personne a fait un dépassement, mais qui était limite. Ça. C'était un peu. Bon, ça fait peur. Voilà. Et à part ça, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es senti pas en sécurité? Non, pas vraiment. Non. Moi, j'ai toujours pour être en sécurité et puis pas prendre trop de risques. Quand t'as des gens qui disent partir seul, moi, ça me fait flipper. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je considère que quand tu pars seul, si tu as eu le temps ce soir, si t'as des contacts réguliers. Moi, je sais que je partais, j'arrivais souvent chez quelqu'un le soir, ou au moins une journée sur deux, et puis ça permet d'être rassuré et puis d'être suivi régulièrement quand même. Ok. Autrement, au niveau de la solitude, bah, c'est sûr, t'es seul. En fait, on va à la rencontre des gens, c'est même moi qui suis timide à la base. J'ai dû m'ouvrir. Et aller parler aux gens parce que. Ah oui, est-ce que ça t'a fait du bien, ça? Est-ce que c'était formateur? Est-ce que t'en as retiré quelque chose? Du fait de devoir aller voir les gens? Ou est-ce qu'un an après, J'ai pas vraiment dit, et voilà, on peut rester dans son cercle d'amis. Alors que, une fois, ça a appris. Enfin, j'ai appris à gérer ma timidité, à prendre confiance. Ok, je pense que tu peux rebrancher la cam parce que je pense pas que ça influe tant que ça sur ton son. Vous me direz, les amis, si ça coupe encore beaucoup. Désolé encore pour ça. Mais ouais. Vous me direz si ça recoupe pour vous le son. Du coup, t'es parti en Irlande. Mais est-ce qu'au moins t'as progressé au niveau anglais, selon toi? Je pense que j'ai progressé. En fait, j'étais obligé de parler tous les jours en anglais en social pour. Vu que j'étais tout seul, je pouvais pas parler avec des gens en dehors, sans utiliser la langue anglaise. Ça fait pratiquer régulièrement le fait d'être à l'étranger et malgré parce que tu en as besoin. Donc, ouais, ça pousse à progresser. Et un an après, est-ce que tu penses que tes compétences en anglais elles sont toujours là ou est-ce que tu aurais besoin d'une piqûre de rappel? Je pense que une piqûre de rappel. Ok. Et si j'ai un autre, faut mieux éviter les auberges de jeunesse si tu veux travailler ton anglais. Enfin, si vous voulez travailler votre anglais, pensez en auberge de jeunesse. Ah, on a une question. Donc, ça commence, une question. N'hésitez pas à poser des questions, les amis. Hein. Moi, j'ai bientôt fini les miennes, hein, je vous le dis. Tu es parti avec quoi dans ton sac? Me demande Béatrice. Je suis parti avec. Donc, je suis parti avec un peu de vêtements. On était en donc pas tant que ça. Après, j'ai pris une tente qui était un peu lourde, sac de couchage. Ça faisait un peu lourd aussi. Ouais. Camping quoi, un cahier pour écrire sur pour faire mes pancartes. Est-ce que il y a des objets qui se sont révélés inutiles? Je dirais pas inutile, en fait j'avais déjà voyagé une fois donc objection un peu, mais des objets pas
10. Je sais pas si ça valait le coup de rajouter 2 kilos. Ou si j'aurais pu faire plus d'hébergement. C'était quand même. C'était quand même lourd. Parce qu'en fait, ton sac, il pesait combien? Il pesait presque 15 kilos, quoi. 15 kilos. 14. Tu donc t'as fait 12 bornes par jour pendant un mois avec 15 kilos sur le dos. Oui, c'est ça. Après, remarque, c'est comme les collégiens, hein. C'est à peu près le poids du sac des collégiens, hein, si tu regardes bien. Ouais. Ok, la c'est blague bien. Était un peu facile. On voit que c'est la bande passante avec l'image, on me dit. Bon, bah d'accord. Alors, ouais. Comment as-tu préparé ton voyage? C'est une question de Daniel. Merci. Ok, Daniel. Donc. Faut savoir que je suis parti avec l'association qui donne une bourse aux jeunes entre 16 et 20 ans. Donc ça a donné un. Et, ouais. Ouais. J'ai dû justement j'ai dû faire postuler. Donc j'ai préparé mon itinéraire. J'ai fait une estimation du budget aussi pour savoir. Une estimation plutôt précise ou plutôt à la louche? J'ai essayé d'être précis et au final, j'ai consommé un peu plus, dépensé un peu plus que ce qu'il fallait, ce que je pensais. Donc, t'as dépensé plus que tu pensais ou t'as été trop prudent? J'étais trop non, je pense, j'étais trop exigeant sur le fait de. Enfin. Sur mon confort, on va dire que je pensais d'accord. pouvoir économiser. En fait, j'ai eu besoin de me faire des petits. T'as besoin d'une rallonge. D'un peu de. T'as besoin de plus d'argent que prévu. Oui. Ok, d'accord. C'était pas non plus Total Impro. En fait, ce qui est, la partie Total Impro, c'est. Les étapes. C'est les problèmes de son. Et puis, oui, les problèmes de son. Ça, c'est. Ok, oui, ok. Non, pardon, au niveau du voyage, si c'était Total Impro, non, j'ai pas Total Impro. Enfin, j'ai donné un ordre d'idée, en fait. J'ai organisé mon voyage, un peu le choix de rester 2-3 jours de plus dans un endroit, si ça me plaisait. À un moment, j'ai dû prendre une traverse parce que l'endroit-là, j'ai pas pu le faire. Enfin, j'avais besoin de repos. D'accord. En 30 jours, tu as eu besoin de repos combien de fois? Genre, tu étais vraiment trop crevé pour avancer. Un jour de déplacement, un jour de repos à peu près. D'accord. Un jour de déplacement, un jour de repos. Ouais, mais c'est histoire aussi de profiter des étapes parce que sinon. Ouais. Ouais, non. C'est plutôt 2-3 jours de déplacement. 2-3 jours de déplacement? Oui, c'est ça. Et un jour de repos, ok. C'est ça. Donc tu restais combien de temps par étape en fait quand tu n'étais pas en repos? Moins d'une journée, c'est ça? Quelques heures? Quand j'étais pas en repos. Ouais, en général, je passais une journée dans une ville. Je me déplaçais de. Quand c'était. Ouais, je passais quelques heures dans les endroits d'avoir et tout ça. Je pense. Et puis après, forcément, je passais la nuit dans une ville ou là où j'habite. Est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui aimeraient partir seul comme ça, à l'aventure? Au niveau organisation, au niveau état d'esprit, peu importe. Faut venir régulièrement de nouvelles avec ses proches. Je pense que ça va aider, ça. Après, je pense qu'il faut, ouais, il faut aussi un projet qui nous tienne à cœur, c'est enfin, d'autant qu'il te plaise. Il ne faut pas aller dans tel pays parce qu'on m'a dit que c'était bien et puis je ne suis pas sûr que ça me plaise, quoi. Autrement, dans les moments de solitude aussi, moi je mets bien que enfin, quand tu es un peu seul et que tu ne peux pas rencontrer des gens parce que ouais. C'est vraiment la campagne de la musique et puis voilà quoi, c'était. Ok. Ça permettait de terminer les journées. Si tu devais recommencer cette expérience, okay. Qu'est-ce que tu changerais ou qu'est-ce que tu ferais différemment? Donc,
Déjà, je vais la recommencer. Non. Enfin, je vais refaire une expérience comme ça. Et ce que je voudrais changer, du coup, c'est au quotidien. Je me suis un peu trop déplacé quand même. Un peu trop déplacé, d'accord. Un peu trop exigeant et un manque de progressivité aussi au niveau de la marche et du déplacement. Prendre un peu plus son temps. Après, t'as vraiment fait le tour de tout le pays ou t'as quand même pris des raccourcis ou... En fait, j'ai pas eu le temps. T'as pas eu le temps de finir. Donc, j'ai fait l'Irlande du Sud. Je voulais absolument la faire. Et l'Irlande du Nord, j'ai pas eu le temps en fait. Donc, voilà. T'as des regrets vis-à-vis de ça ou ça va? Je vais prendre mon temps parce que j'aurais pas. Le choc. Ouais, c'est un peu un rythme quand même. C'était compliqué. C'était plus un voyage. Ça aurait été compliqué. Ouais. Après, les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interrompre. Hein. Encore une fois, désolé pour le son qui coupe sans arrêt. On essaie de faire au maximum, mais c'est vrai que là, ça dépasse nos compétences. Donc, je sais pas ce qu'il peut faire, mais si vous pouvez des questions, j'essaie de faire un peu l'interface de retraduire un peu ce que tu dis si ça coupe trop. N'hésitez pas les amis. Donc autrement, j'aimerais faire un peu plus d'hébergement chez l'habitant aussi, je pense. Peut-être pour pouvoir ma tante. Ouais. Parce que c'était un peu lourd. Ça va, le sac à dos, c'était en partie à cause du camp. Ouais. Le camping, ouais. Mais bon, si tu veux faire du porte-à-porte et que personne ne t'ouvre, tu. Ouais, c'est un ouais. Peu galère. Ouais. C'est quoi ta solution, quoi? Galère. Ouais. Ouais, après, il y a les auberges de jeunesse, il y a des sites internet pour trouver des hébergements chez l'habitant. Couchsurfing, tout ça? Ouais. Alors maintenant, au niveau du pays, aimé dans le pays? Qu'est-ce que j'ai aimé dans le pays? Alors, il y a le côté, les personnes sont amicales et généreuses. C'est inspirant. Ça, l'entraide aussi. L'entraide, ok. Ouais. Et puis les joueurs de musique dans les rues, ça c'est bien. Les joueurs de? De musique dans les rues. Il y a des joueurs de guitare. Et ça c'est bien ça. Aussi du violon même. Mais c'est régulièrement ou c'est dans une ville en particulier? Oui, en fait, c'est bien vu en Irlande. Donc, je sais que j'en ai vu. D'accord, donc c'est régulier. Clairement, okay. Ouais. Enfin, les gens reçoivent il y a des contributions des gens qui regardent de la musique. Ça leur permet de vivre. C'est bien vu en tout cas en Irlande. Ça donne ce côté. Est-ce qu'il y a des choses que tu as moins aimées? Il fait un peu froid en Irlande quand même, même en été. Bon, même en été? On peut pas aller se baigner quoi. Faut pas essayer de se baigner, on va dire. On se baigne pas en Irlande même en été. Bon bah tant pis. Ouais, c'est compliqué. Et froid les soirs, tu veux dire les soirs quand ça tombe la nuit, c'est. Une fois en journée ça a été à 14h. Une fois à 18h ça n'a pas été du tout. Donc, voilà. Ah ouais? Même en été? Putain, c'est dingue ça. À 18h, c'était trop tard. Ouais. J'étais dans la tente le soir, j'ai eu froid toute la nuit. Enfin, en début de soirée, j'ai eu très froid. T'as pas de chaud dans la tente, il n'y a que le réchaud. Quand tu quittes tes pattes, tu peux te réchauffer, mais à part ça. Ouais, d'accord. Donc, ouais, pas aller se baigner en nuit le soir. Ah, tiens, regarde, on a trouvé. C'est la bourse Zelidja. Ah oui, ok. Ok, donc la bourse Zelidja, c'est bien ça, hein, pour les. Vas-y, si tu veux parler de l'asso, c'est un petit peu. C'est ça, c'est très bien. Ouais, donc c'est une association qui donne entre les 16 et 20 ans pour partir voyager seul. Seul? Faut vraiment être seul. Seul, ouais. Okay. Ça fait partie. En fait, c'est pour développer justement ses compétences, l'organisme pour pousser. Pour motiver à partir seul. C'est une bourse qui va jusqu'à
K9 contribue bien au voyage. Ça te permet de... Il faut que ça soit en Europe, j'imagine. Il faut que ce soit dans des pays sécurisés, mais ça peut être en Inde. Il y a eu en Inde. Où... En Inde, d'accord, ok. Il y a eu aussi à Cuba. Ok. Voilà, ça peut être un peu de... enfin, d'organisation et du... En fait, il faut répondre à un FIM dans le... pour bénéficier de la bourse. Et voilà, de ton voyage. Quoi. Ok. Au choix, ça peut être la musique, ça peut être la cuisine. Enfin, c'est le jeune qui choisit. Quoi. Très bien. Est-ce que tu as, Clément, des conseils de lecture, des livres qui t'ont marqué ou que tu veux partager? Si tu pouvais en donner 3, ce serait cool. ouais, je vais donner en premier, plutôt sur le sport, du coup, sur Un corps sans douleur, de Christophe. D'accord, ça parle de quoi? Christophe Cario. Ok. Donc, c'est sur des routines. Enfin, des mouvements forcément musculaires à faire dans la semaine pour qu'on soit assis ou qu'on fasse tout le temps le même geste. Ça permet de retrouver du confort au quotidien quand on est tout le temps assis ou quand on fait tout le temps la même chose. Alors, je mets dans le chat avec une petite posture, du coup. Un corps sans douleur, ça j'aime beaucoup. Et très bien noté d'ailleurs. Ouais. Christophe Cario, autre chose? Ouais. C'est une bonne question. Deux, bah oui, c'est toujours. Attends, je mets juste un truc au point. Oui, c'est une bonne question. Je demande systématiquement à mes invités depuis 29 émissions ce qu'ils lisent. Déjà, ça me montre s'ils lisent ou pas. Et ça montre un petit peu plus qui ils sont et ce qui les aime, etc. Donc, même quand on reçoit. N'importe quel métier, domaine, etc., n'importe quelle profession, je demanderai systématiquement cette question, et moi, je juge que c'est une bonne question. Voilà, voilà. Vas-y, je t'ai coupé, pardon, tu peux y aller pour la suite. Ok, donc, en deuxième, je dirais activer ses neurones. Activer ses neurones. Alors, attends, faut que je le cherche, ici. Je le connais pas du tout. Steve Masson. Activer ses neurones de Steve Masson, d'accord. 5 principes neuroéducatifs, je ne connaissais pas du tout. Ok. Très intéressant pour Yassine. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce livre? Ça explique tout ce qui est la révision active. Révision active, ok. Après, il y a l'échelle de les répétitions de ça. Les répétitions espacées, l'histoire des répétitions espacées. Ça fait un petit peu que je l'ai lu. Qu'est-ce qu'il y a ? Pour expliquer son cours à d'autres personnes, pour expliquer le contenu à quelqu'un. Ouais. Ok. Et je pense que j'ai plus les 7 principes, enfin, je joue neuroéducatif. J'en ai 3 ou 4, mais. Et un troisième Le monde de Sophie. Le monde de Sophie, Sophie. Ah, j'ai adoré ce livre. Ah ouais, cool. Belle salle alors. Ouais. Le monde de Sophie. Je voulais un truc un peu différent pour terminer. Voilà. Ça, c'est le monde de Sophie. C'est un peu l'histoire de toutes les philosophies, mais en version roman, quoi. Je sais pas comment expliquer, c'est... Oui, c'est un livre qui se vit, vraiment. Oui, ça se vit, ça nous emmène dans une histoire d'une personne qui découvre la philosophie. En plus, moi, j'avais jamais eu de cours de philo, donc ça, c'est un livre qui m'a vraiment passionné. Quoi. Alors, j'ai tout découvert la philo grâce à ça. Quoi. Magnifique. Les amis, ton écrivain préféré, me demande Vesna. Je sais pas.
trop. Si, j'y arrive pas, on rigole. Je déconne, évidemment. Je sais pas trop, je dis pas. Tu dis pas suffisamment pour avoir un préféré, c'est ça? Ok. Bien. Je poste le dernier titre de livre de ce dont on vient de parler. N'hésitez pas, les amis, si vous avez des questions. Sophie avec un S majuscule, ce sera encore mieux. Hop. Le monde de Sophie. Touk. Très populaire en France. Un livre lu. Oui. Eh ben, moi, c'est un livre qui m'a régulièrement marqué. Hein, donc, il n'y a pas grand monde qui le cite, c'est bizarre. Allez, les amis, c'est à vous. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Sinon, il sera temps de clore cette première émission de 2023. Alors, désolé encore une fois pour les problèmes de son. C'est quasiment impossible à régler en direct, en fait. Je sais que ça nuit à beaucoup d'expériences. J'en suis vraiment désolé. Bah voilà, j'espère quand même que vous avez passé un bon moment. Et que. Et bah que vous. Vous avez. Comment dire. Que vous aimez ce type d'émission aussi, parce que si elle vit, c'est aussi grâce à vous. Hein, donc voilà. Est-ce que. Encore une fois, je posais la question une dernière fois, parce que sinon. As-tu des conseils? Mais non, c'est fini ça. Il y a plus. As-tu des conseils, quoi. Le plus beau lieu du monde. Selon toi, le plus beau lieu Bon, du monde, c'est quoi? je suis pas allé. Dublin! Je vais te dire le plus beau lieu d'Irlande. Ouais, vas-y, dis-nous le plus beau lieu d'Irlande, tiens. Là que on va y. Alors c'est très, très touristique. Je pense que c'est les falaises de Moher. Ouais, c'est très connu ça. Enfin, c'est très renommé en tout cas. Est-ce que j'en ai un autre qui est un peu moins touristique? Ouais, il y a les Maisonhead aussi. C'est un peu moins connu. Comment t'as dit? Maisonhead. Maisonhead comme ça? Tu l'écris comme ça? Mince, je vais partir encore. Je pense que c'est. Oui, non, c'était avec Harry. Maisonhead. Ok, Maisonhead. Maidenhead. Ouais, c'est ça. Maidenhead. C'est ça? Ouais. Comme ça. Pardon pour la faute. C'est avec un i, Non, c'est pas. j'arrive. Non, c'est pas ça, ça c'est en Angleterre, ça. C'est MIZEN. Comme ça. On va y arriver. Oui, c'est ça. On va y C'est. arriver. Maidenhead. Je connais pas du tout. C'est vrai que c'est un pays, j'aimerais bien y aller, mais j'y connais absolument rien du tout. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ça me parle bien, ouais. C'est typiquement le genre de paysage que j'adore. Oui, falaise de Moher est vraiment beau, j'ai juste regardé sur internet. Ouais. Falaise de Moher, Maidenhead. Franchement. Ok, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première émission 2023. Voilà. Je vous rappelle que lundi sort la vidéo Comment apprendre plus efficacement grâce à l'intelligence artificielle. Je vais vous rabasser les oreilles cette année avec l'intelligence artificielle, comme beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que bah maintenant, ça fait partie de nos vies. Et ça sert à rien d'essayer d'esquiver ou de dire que c'est une mode ou que je sais pas quoi, que c'est pas si important que ça. Si, c'est important. Mais nous, sur Potion de vie, on a pris le parti d'en faire un outil et non pas quelque chose qu'on subit. Donc que vous soyez prof, que vous soyez étudiant, que vous soyez déjà dans la vie active, vous allez croiser tôt ou tard le chemin de l'intelligence artificielle. Et là, vous aurez d'un côté les gens qui n'en auront jamais entendu parler ou qui n'auront pas envie de franchir le pas ou qui vont avoir des a priori négatifs sans jamais les remettre en cause et les autres. J'espère bien que vous ferez partie des autres, en tout cas sur Potion de vie. Je pense que ce sera le cas. Et voilà. Donc, merci d'avoir suivi cette émission. Encore désolé pour les problèmes de son.
Et je vous retrouve très très rapidement. Je vais reposter du contenu. Ça a déjà commencé d'ailleurs sur Instagram, TikTok, YouTube avec les shorts. Donc on va refaire du contenu très court, mais également la grosse vidéo chaque semaine. Pour l'instant, je reste sur le lundi. On va voir si ce jour continue à vous convenir. Et voilà, je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve très rapidement, bah, dès demain en fait. Ou tous les matins sur Twitch pour ceux qui ont envie de faire du coworking. Clément, tu restes avec moi et puis... Ouais, bonne soirée. Voilà, on dit au revoir à tout le monde. Salut tout le monde, merci encore.